Et salut à tous les amis, c'est Benusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Batman Arkham Asylum. Donc on s'était laissé la dernière fois à l'entrée du jardin botanique. Welcome to Botanical Gardens. Notre objectif, détruisez la fabrique de Titan dans les jardins botaniques. Suivez les déplacements d'Harley Quinn pour localiser la fabrique de Titan. Donc on est parti pour ça, on se trouve donc... dans les jardins botaniques, on voit qu'on a deux gardes ici à l'entrée, donc on va quand même essayer de les neutraliser. Ça va nous donner des points pour augmenter notre personnage par la suite. Ah, ça me gêne un peu. Alors là, on a la cape qui est abîmée derrière, je sais pas pourquoi. Ah, on a une cassette ici également. On va l'écouter en essayant d'aller attaquer les gardes. Entretien avec un patient. Pamela William Eisley. 12 novembre, 11h33. Bon sang, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Le Joker prépare quelque chose. Ouais, et ça sent pas bon. Il se prend pour Dieu ou quoi? À vouloir jouer avec le corps des gens? S'il laissait ça sur moi, je démissionne. Moi aussi. Cet endroit est déjà assez flippant sans ces monstres en liberté. Bon, alors par contre, il se trouve... Je suis pas sûr s'ils se trouvent derrière la barrière ou devant, en fait. Je crois qu'ils sont quand même devant. Donc on va tenter une attaque avec le double batarang. Voilà. Lancer les batarangs RT. Et c'est bon. Alors est-ce qu'ils vont se relever? C'est la question. Je pense que oui. Ah non, ça les a électrocutés. Là, on a bien sûr donc le boîtier qu'on peut maintenant pirater. Je voudrais juste faire le tour... petit jardin botanique, parce qu'il me semble qu'on était déjà venu, mais que j'avais pas vu cette cassette. Oula, alors là on a des personnes que j'avais même pas vu, des gardes, hein, bah, qui sont décédés apparemment. Ouais, ils ont été tués. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'on peut monter là? Je sais pas. Bon allez, on va continuer. On va hacker le boîtier avec notre séquenceur cryptographique. Donc il est à 3 sur 4 je crois en difficulté celui-là. Il est quand même assez élevé. Oi. Alors là on se retrouve quelque chose d'assez complexe. On a un ennemi juste en face, on a des gargouilles, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je vais attendre pour passer en haut là quand lui va se retourner. Vous allez bien. Pas de pression au fur et à mesure. On écoute le patron. Il est là. On est repéré. Je pense que généralement... Je l'ai perdu. Je l'ai vu monter et il a disparu. Bon, alors on a pris un peu cher du coup. Est-ce que là je peux suspendre pour prendre celui-là? Élimination. Alors je me demande si par contre là je vais pas encore être repéré. Ici on a des câbles, je regarderai tout à l'heure comment ça fonctionne. Je pourrais peut-être descendre sur celui en bas, là et le neutraliser. Pendant que les autres sont en haut. Attends, je viens avec toi. Bien. Essayer d'attaquer ceux-là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va rester au-dessus tout seul. Élimination inversée, alors, je peux pas le faire sur celui-là. Où il est? Ouais, l'élimination inversée, voilà, il faut vraiment qu'il soit en dessous. Hey, pas les pattes!
Hop, mais on a bien fait de le prendre parce que c'est quand même fort utile. Alors il nous reste ces deux là. Moi trois, on va manquer de personnel. Est-ce que je pourrais faire une élimination inversée à nouveau? Pas sûr, hein, parce qu'ils se regardent. Allez, on tente. Qu'est-ce que tu fous? Je vais te liquider. Et hop, je change de place direct. Bon sang, où il est? On en a un en bas, un en ici. Pied planant. Je pense qu'on peut faire à nouveau une élimination à faire. Je suis pas si on peut suspendre différents ennemis sur une même gargouille. Apparemment, non. Laisse-moi tranquille. Je pense qu'on va descendre derrière. Ouais, là, on peut pas le suspendre. L'autre est où? Là-bas. Oh là là, on a pris cher, hein. On a pris cher, les amis. Voilà, vite. Je vais partir de là. Est-ce qu'il reste vraiment pas beaucoup de vie? Est-ce qu'il nous a vu, l'autre, là? Non, je pense pas. Je jurerais que vous étiez plus nombreux avant. Là, ça devient compliqué parce que si je l'attaque vraiment de front et si je me loupe, je pense qu'on y passe direct. Et comme je suis joueur, j'ai envie d'essayer quand même. Allez. Voilà. Hop, on va le finir au sol. Allez, on est bon. Vraiment, il nous a tous battus. Encore ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Une armée de monstres ? RT plus A pour ouvrir. Alors, c'était quoi ça ? Ah, bah oui, c'est vrai qu'il y a les grilles au sol là que j'utilise pas du tout. Hein, donc. Que je me complexifie peut-être la tâche. On va ressortir de là, on va faire un petit tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait récupérer ou autre? Alors là, on a une porte avec des câbles. Ça remonte ici en haut. Les grilles d'accès, c'est pour les phases d'infiltration et de combat. On va regarder à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a une porte aussi ici, ouais. On peut l'ouvrir. J'ai envie d'aller explorer d'abord en bas à gauche. En plus, on suit les traces là de d'Harley Quinn, donc ça doit être le bon chemin. Par contre, j'en ai plus. Ah, mais c'est de là d'où on vient, en fait, ça, non? Je reconnais plus, là. Je pense pas. Non, c'est pas de... C'est pas le chemin qu'on a pris pour venir. Allez, on va écouter la cassette. Entretien avec un patient, Pamela Liliana Isley, 14 novembre, 10h28. Bonjour, Pamela. Je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose? Que voulez-vous dire? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham, tué des centaines de gens. En quoi cela est-il? Les corps ne m'intéressent pas, docteur. Stop! Pitié! Je ne suis rien du tout! Je suis inutile! T'as de la chance que le patron veuille pas te faire de mal. D'accord. Bon bah allez, on rentre dans le tas, les amis. Oh, on a un mec avec son fameux bâton électrique là qui est assez problématique pour moi à chaque fois. Hop, il faut l'étourdir et on va essayer de le garder pour la fin. On l'étourdit à nouveau. Le laisse pas frapper. Étourdissement. Vous ne tiendrez pas une minute. Flûte.
On étourdit, on passe derrière. On passe derrière, Benusco. Vous n'avez aucune chance, crétin. Voilà. Allez, la faut étourdir également. Allez, reprend son bâton. C'est fait. Me sortir de là, non ? Allez, bah j'arrive, mon pote. Secourir Carl Todd. Merci. Ça va ? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que faisait-il ici ? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. Alors, on a gagné une amélioration, on va regarder tout ça. Au niveau des améliorations, alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Le combo de 8, ça toujours, hein, je garde un œil dessus. Tout ça est bloqué, ou amélioré déjà. On a les 3 cibles à la fois qui, à mon avis, vont être nécessaires à un moment donné. Lorsqu'on va avoir des gardes avec 3 armes. Batarang spécial télécommandé, bon, j'y crois pas trop. Celui-là, ça peut être bien pour les phases d'infiltration. Pas encore disponible. Permet de déclencher le gel explosif de façon sélective. Ça, ça peut être sympa aussi, mais plutôt vers la fin. Améliore le gel qui explose tout seul. Augmente la portée du... Comment ça s'appelle le séquenceur cryptographique, voilà. Et celui-ci permet de déchiffrer plus facilement. J'y réfléchis un peu, je pense qu'on va prendre ça, l'amélioration de puissance cryptographique, surtout pour les phases avec l'épouvantail, si ça revient. Je me souviens que dans la phase précédente, on devait utiliser le crochet pour tirer des caisses assez rapidement. Donc si on a ce besoin-là sur le séquenceur cryptographique, ce sera bien qu'il soit beaucoup plus efficace. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit là ? Où est-ce qu'on peut grimper ? On peut monter. On a tout un tas de câbles là au sol. Allez, bon, on va continuer notre ascension. Oh ! Ah ouais. Donc là, je peux monter, mais par contre, je ne peux pas passer. Là, je pense qu'il faut aller prendre l'autre porte, du coup. Alors, regardez peut-être tous ces câbles, là. Est-ce qu'il y a moyen de les... de faire quelque chose dessus ? Non, j'ai pas l'impression, hein. D'ailleurs, on les voit pas, hein, c'est sous le sol. Je reste ici. Les gars du Joker essaieront peut-être de reprendre le générateur. Bon bah je pense qu'il faut que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Alors c'est quoi ce boîtier de commande par contre ? C'est ça que j'ai pas compris. Ah c'est ça ? Boîtier de sécurité saboté. Ah bah voilà, on utilise en plus le séquenceur cryptographique. Donc j'ai bien fait de l'améliorer juste avant. Il est en difficulté maximum. Ça a raté, j'ai pas compris là. On était dessus. D'un seul coup, on n'y était plus. Ça rate. Donc il est en plusieurs phases, voilà. Bon, donc je pense que maintenant on peut monter. Ah ben non, c'est toujours bloqué. Ou on doit prendre l'autre porte. De manière, on peut plus interagir avec, j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le garde. Je pensais que les jardins seraient le dernier endroit à intéresser ces cinglés. Il n'y a rien de logique ici. Ah ben on a une cassette, on va l'écouter en allant, en retournant sur l'autre porte. Ah non, Pamela, je ne peux pas la laisser. C'est contraire au règlement. Je vous la rapporterai quand
je serais à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sur les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Voilà, mais on avait bien pris la bonne porte en premier. Il faut arrêter ça. Avant que ça aille trop loin. À ce rythme, tu ne mourras jamais. Je dois me sortir de ce pétrin. On a des collègues de Monsieur J ou du Joker là qui sont décédés. Voilà, on a une grille. Ça m'inquiète un peu tous ces câbles au sol. Qu'on n'entendait pas. On a deux chemins possibles. Ah ben voilà un trophée. Ici, c'est de là où d'où on vient. Il n'y a pas d'ennemis. Heureusement, vu le boucan en atterrissant, allez, on va exploser la vitre avec le gel. Il est où ? Gel explosif. Et on se recule pour l'exploser. Ah, je vais me remettre sur le double multi-batarang. Il nous a été fort utile tout à l'heure. Je pense qu'il fait plus de dégâts comme ça en multi. Sur le single. Corde. Fibre naturelle tressée vulnérable au coup de batarang. Bon bah allez. Il nous a coupé le pont et alors on peut encore tirer dessus, ça va faire quoi? Non, ça va plus dessus là. Qu'est-ce que c'est que ce son? C'est-à-dire que c'est pas à nouveau l'épouvantail là qui va nous attirer dans son cauchemar. Ah bah là on a une... Là-dessous, on a un trophée. Alors comment on le récupère? Là, on en a encore un ici. Donc il y a beaucoup de choses à explorer dans le jeu. Moi je vais pas forcément m'y attarder. Comme vous le savez, hein, l'objectif c'est vraiment de découvrir l'histoire, d'être vraiment immergé dans le... dans l'ambiance du jeu et pas nécessairement de faire tout à 100%. Ça, est-ce que ça serait... Non, je pensais que c'était de la glace qu'on pourrait exploser. Là, on a une grille. Alors, est-ce que ça pourrait permettre justement d'atteindre ces trophées? On va regarder. Bon non, apparemment ça sera encore pour des phases de combat. Ah si, on a pu passer à l'intérieur. Là on peut prendre ce trophée là. Bon, par contre il faut la reprendre pour partir. Et non, on peut pas aller plus loin.
Le Joker est pas loin en plus, donc il faut quand même rester prudent. Ici, je ne peux pas utiliser grappin. Allez, bon, on va essayer de reprendre le chemin classique si je le retrouve. Il faut reprendre des escaliers. Alors, ils sont ici. Bon, là, on peut aller nulle part. On ne peut plus utiliser la note grappin. Ça doit être la porte ici. Ah mais c'est par là qu'on est arrivé là plutôt hein. Donc ouais, je suis en train de retourner en arrière. Voilà, là on avait fait tomber le pont. Je découvre le jeu en même temps que vous, hein, donc parfois je peux me tromper, je m'en excuse. La corde, elle est coupée. Le grappin, on ne sait pas l'utiliser. Alors, on va tenter de traverser là. Là, on aurait pu monter directement apparemment. Est-ce qu'on a le pont au-dessus? Là, je comprends plus par où on doit aller. On va plutôt essayer de monter, mais je ne peux pas. Flûte. Ah, j'ai essayé de pas nous faire retourner en arrière une nouvelle fois. Voilà, ces phases de plateforme, les amis. Allez, où sont les escaliers? Ici. Donc, la porte qui est au fond, c'est celle par laquelle on est arrivé. Donc, où peut-on aller? Ça, je peux encore jeter le batarang dessus, je pense pas. Alors, je suis en multi-batarang, on va essayer... Là, ça ne fera rien. Le batarang simple... Non, hein, de toute manière, elle est plus sélectionnée. Donc, on va continuer par là. Par contre, là, c'est l'endroit qui nous permet de remonter. Voilà, mais je pense que c'est cette porte aussi, hein, puisque là, on n'a pas d'autre endroit où passer. Couloir inondé, qui va pas être plus inondé quand on va se trouver dedans. À l'aide! Réponds-lui! Pitié, arrêtez! Je vous ai dit ce que vous vouliez savoir. Allez, ben on va aller attaquer ceux-là. Tout le monde, pitié! Laissez-moi partir. Il est là! Je suis là, mon ami. On
On s'en est débarrassé. Qu'est-ce que le garde a à nous dire? Pas un garde, Jordan Fraser. Vous allez bien? J'ai l'air d'aller bien. Ils étaient prêts à me tuer. On se cachait dans la volière. Et ils sont arrivés avec le Joker. Ils ont tiré partout et nous ont mis dans des cages. Ils y sont encore? Personne. Personne n'est sorti. Vous devez les aider. Restez là. Nouvel objectif, sauver les aides-soignants retenus en otage dans la volière. Alors, on nous a indiqué un point. Donc, on va prendre à droite pour aller les sauver. On regarde rapidement si on a des... On n'a rien d'autre d'indiqué. Est-ce que je me dirige vers le bon endroit? Non, je pense que là, il faut d'abord que j'aille faire la quête secondaire. À droite. Alors attention à ce qu'on va trouver. Voilà, alors ça, je m'y attendais un peu. Est-ce que je peux monter ? Pitié ! Je dois sortir de là ! Très bien ! Batman arrive ! S'il débarque, on expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, piché ? Ouais, ils vont plonger. Bien, attention ! Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Bon, alors où se trouve l'opérateur? Imagine que c'est celui qui est en haut. Ouais. Alors comment je vais y aller? Ça c'est encore une autre question. Je vais tester juste là l'histoire des batarangs pour voir si ça fait quelque chose, si ça déclenche... Si ça déclenche une sonnerie ou quelque chose. Batman est un homme mort. Il y en a qui est au sol, mais il a l'air encore vivant en fait. Hein. Ça, c'est quand même le problème. Je pense que ça va déclencher du coup le. C'était quoi? Le batarang. Voilà. Tu es là, je le sais. Lâche tout. Bon. J'ai bien compris. Donc, il faut vraiment les terminer. Oh, fastoche, je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Bonne nuit. Allez, on réessaye. À l'aide, pitié, je dois sortir de là. Alors là, on a besoin de cette vue-là. Des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Par contre, si je les termine, je voudrais voir si ça nous pose un souci ou non. Oh là là. Oh là là, Benusco, c'est pas bien ce que tu as fait. Alors là, j'ai rien où m'accrocher, je peux monter nulle part. Le collier s'est déclenché. Donc ouais, j'ai vraiment... Cet opérateur là à neutraliser en premier. Donc il va falloir monter là-bas en haut. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que je ne peux pas monter... Enfin, j'ai pas de point où je peux utiliser le grappin et me hisser là-bas. Donc, je me demande même si je dois y aller comme ça en frontal. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Essayer d'avancer. Ah, par contre... Je peux peut-être passer dans les grilles au sol. Là, pour une fois, ça va m'être utile. Juste m'attendre qu'il se retourne pour être sûr. Voilà. Ouvrir. Hop, on descend dedans. Où est-ce que ça nous emmène? Batman ferait bien de pas nous chercher. J'ai cru qu'on avait un chemin à droite. Est-ce qu'on peut s'accrocher là-bas au-dessus? Non. Nous emmène ici. Ah, et ben on est quand même bien en vue, les amis. Hein.
Alors en plus, je vois qu'il y a une cassette que j'ai envie de prendre, alors que ça va causer ma perte. Moi, apparemment, pour monter là-bas, est-ce que je tente ? On vous voit quitter votre cellule l'année dernière sur l'enregistrement de la sécurité. Dois-je l'expliquer clairement ? Nous savons que vous l'avez hypnotisé ou quelque chose. Je pense que c'était effectivement le chemin à utiliser finalement. Mais comme par hasard, toutes les caméras de sécurité de l'île étaient mystérieusement couvertes de feuilles et de fleurs à 3h du matin. Dites-moi, Willy. Je ne dirai rien sauf si vous faites exactement ce que je vous dis. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? À descendre. Ouais, ça me surprend un peu par contre parce que j'aurais plutôt vu monter que descendre. Ouais, je pense que c'était un autre moyen de monter. Mais là, il faut plutôt nous qu'on regarde à nouveau en haut. En tout cas, je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Alors, l'opérateur est donc à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on peut faire ici ? On peut avancer un peu par là. Descendre, ah, c'est peut-être pas bien une bonne idée. Est-ce qu'on doit aller en frontal ? Par contre, j'ai vu une autre grille à l'intérieur, quelque part, qui était orange. On va m'accrocher en haut, là. Parce que là, ou alors je vais peut-être juste planer. Je vais essayer de planer. Voilà. Batman ferait bien de pas nous chercher. C'était peut-être ça en plus, hein. Alors ça devient de plus en plus compliqué, j'ai envie de dire. Oh là là. Alors par contre, pour pas être vu par celui-là. En plus, il y en a un autre en haut à droite. Là, je sais pas bien comment on va faire, les amis. Oh là là. Il y a une grille ici. J'imagine qu'il faut y aller. Allez. Aucune chance. Ouais. On va tenter, mais alors il est déjà juste à côté, lui. On va pas se faire entendre. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend plutôt. Voilà, on se baisse. J'espère que c'est un chemin qui va nous emmener dans le poste de contrôle. Eh bien, on a de l'infiltration quand même de haut niveau, j'allais dire, en tout cas pour moi. On va se retrouver à côté. Alors ça, c'est quoi ? Là, on a un visage. Est-ce qu'on peut scanner ce truc-là ? Non, aucun sujet détecté. RB. Là, on peut encore monter sans souci. J'ai du mal là encore à comprendre où on se trouve. Voilà. Eh ben, on s'en est pas trop mal sorti pour l'instant. Alors, encore une fois, je vais essayer de pas être trop... comment dire... sûr de moi, parce que souvent, ça part en vrille assez rapidement dans ces cas-là. J'ai mis fin à la principale menace. Mais les otages sont toujours en danger. Tu as deviné mon plan, ah, Batman ? Tant mieux pour toi ! Tu t'es souvenu
toutes les alarmes du Joker. Vous n'êtes que des incapables. Il est là. Il ne doit pas me trouver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? J'imagine que maintenant, on doit neutraliser les gardes. Parce que là, on pourra pas les descendre de toute manière. On peut pas faire d'action. Allez, bon, on va essayer de s'occuper des gardes. Je sais plus au niveau de la vie, par contre, j'ai pas grand-chose, je crois. Lui là. Allez, il en reste plus que deux. Ah, et on a les traces d'Harley Quinn. Vous avez vérifié les feuilles de présence? Vous étiez plus nombreux ce matin. Là! Oh là là, j'ai cru qu'il était au sol. Voilà, on s'est occupé d'eux. Le Joker voulait faire surveiller l'entrée de la fabrique de Titan. Je dois reprendre la piste de Harley pour la retrouver. On va suivre à nouveau Harley. Est-ce qu'on peut leur parler à eux? Un petit merci est toujours le bienvenu. Désolé. Je croyais travailler pour Young. J'ignorais que c'était un coup du Joker avant de le voir au labo. Où est ce labo? Il est par là. On me fait entrer avec un pass. Il y a une porte cachée, mais elle est cachée. Je trouverai. Restez là. Il y a une porte cachée, mais elle est cachée. Pourquoi pas? J'ai bien cru que j'allais m'évanouir. J'ai le vertige. Alors, on va reprendre les objectifs. Suivez les déplacements d'Harley Quinn pour localiser la fabrique de Titan. Donc, on en est toujours là. Alors là, j'avoue que je sais pas bien par où aller. Grimper. Ils regardent tous les deux en bas, donc j'espère que c'est pas l'endroit qu'on doit suivre. Par où est-ce qu'on est entré d'ailleurs, initialement? Bon, là on a une grille, on va aller regarder quand même rapidement ce qui se trouve dedans. C'était un passage par lequel je crois on est passé également et qui était fort utile d'ailleurs. Alors on a les traces d'Harley Quinn qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel sens on les suit? Comme ça. Voilà, ouvrir. Le game design est vraiment bien fait hein, puisqu'on n'a pas à chercher... 2 heures pour comprendre ce que l'on doit faire. On va prendre notre séquenceur cryptographique. Et alors là, maintenant, c'est à plusieurs reprises. On a bien fait de l'améliorer juste avant ce passage-là. On a trouvé la porte cachée, comme aurait dit le médecin qu'on a libéré. Tiens,
regarder qui a trouvé le labo secret. Puisque tu es venu jusqu'ici, laisse-moi te montrer ce que je prépare. Oui, quand même. Quand même, les amis, qu'est-ce que c'est que ce beat ? Non, non, c'est pas ça, Benusco. Comment on va faire ? Battre des monstres pareils, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que je peux utiliser ? Alors. Je pense que là, il va falloir détruire peut-être les... D'accord, bon. C'est-à-dire qu'il va falloir... ouais, je pense qu'il est... Je suis pas sûr de ce qui doit être fait, en fait, hein. Ah là là, on a bien touché, alors là... Dommage qu'on ne puisse pas voir leur niveau de life. Ouais non, je peux pas détruire ça. Oh là là. Ah mais si, on a le niveau de vie en haut à gauche. Par contre, ils ont beaucoup de vie. Hein. Ok. Ce tocard n'avait aucune chance. Non mais, regardez-moi. Allez, bon, on va réessayer. Je sais pas si on doit interagir vraiment avec les énormes bidons qui sont sur les côtés là. Pour l'instant, je vais laisser. Je crois qu'ils ont été tout seuls dessus. Est-ce que ça me dit si je les regarde? Oh, je sais pas ce qui se passe, il y en a qui bougent plus. Ah ouais. Est-ce qu'on doit les éviter pendant une certaine période et puis après attaquer, je sais pas. Ah ouais, non, en fait là sur la route, il faut pas. Une fois qu'ils ont tapé, on peut y aller. Par contre, ouais, il y aurait un rythme à prendre. Je vais passer en vue normale, même si ça me fait un peu plus flipper. Le deuxième, foncer dessus. Ouais, il faut qu'ils soient étourdis pour que je puisse les cogner, en fait, tout simplement. Ah, on peut le contrôler, d'accord. Parce qu'il est à terre, on peut contrôler l'un des deux. Allez, je vais pas trop non plus insister. Ah, il y en avait un qui était à terre là-bas. J'ai pas pu attaquer du coup. Voilà, là, il est trop près pour moi lui. Hein. Voilà, problème de cam pour voir s'il est toujours à terre. Non. Oh là 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 les amis, c'était bien parti. Là je pense que c'est fini pour nous. J'arrive pas à voir si s'il est toujours étourdi ou non, j'arrive à dire.
aïe, aïe. Ah ça y est, on est dessus. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une torgnole à l'autre? Non, même pas. Allez, on contrôle celui-là. Il y en a un qui est presque détruit là. Dommage qu'on ait aussi peu de vie, hein, parce que là c'était bien parti. Je pense que c'est la fin. Voilà, là, lui, il va s'étourdir. Je vais monter dessus. Non. Il y en a un qui est détruit, mais alors l'autre là. Oh là 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 là. Allez, et à côté. Allez, on retourne sur lui. Et je pense qu'on est bon, les amis. Ouf. Eh ben, c'était pour le moins intense. On a récupéré la vie. Bon. On tient un explosif à base de titan explosif. Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que ça, c'est une porte? Non. Nouvel objectif, détruisez des cuves de titan. Les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi l'aventure. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, me dire ce que vous pensez de ce let's play. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite sur Batman Arkham Asylum. Salut!